vraiment que je vous raconte ce qui m'est arrivé hier soir. C'est du grand n'importe quoi. Faut que je vous raconte avant de me poser avec mes amis là, parce que sinon après je vais les déranger. Alors attendez, je vais me poser deux secondes, juste pour vous raconter. Vous avez vu, j'ai mis une story hier où il y a un mec sans faire exprès, il m'a mis un coup de bâton dans la tête. Même je me retourne et en fait il m'a mis un coup de bâton vite fait sans faire exprès. Bref, du coup je laisse et tout. Je me snap juste après, tout tranquille. Dès que j'arrête le snap, je sens un gros truc bam dans ma tête. Comme si je m'étais pris une bouteille dans la tête. Hi, how are you? Good? Yeah. Comme si je me prenais une bouteille dans la tête. Donc je me suis dit putain, et donc je sens ça, bam. Je me retourne, je croyais qu'il y avait une bagarre moi, que je m'étais pris un verre dans la gueule ou quoi. Et je vois, il n'y a rien. Je vois, il n'y a rien derrière moi, genre. Mais je fais ça. Ça, du sang. Du sang sur ma tête. Je suis où là? Donc en gros, on m'a ouvert la tête, quoi. Je me dis, mais pourquoi? Je ne comprenais rien, parce qu'il n'y avait rien derrière. Et en fait, le mec qui avait le bâton, là, du drapeau, sans faire exprès, il a tapé dans le lustre qui est au-dessus de ma tête. Et le lustre, en verre, il est tombé sur mon crâne. Donc de là, je vois du sang sur ma tête, je panique et tout direct, je panique. Parce que quand tu vois du sang sur ton crâne, panique à bord. Mais ça va, au final, l'ouverture, elle était pas grosse. Donc plus de peur que de mal. Ça m'a fait un petit peu mal et tout. Je suis allée nettoyer aux toilettes et tout, enfin bref. Mais le temps que je comprenne que c'est le mec qui a mis un coup de bâton dans le lustre et que le lustre, il m'est tombé sur la gueule, il m'a fallu 10 minutes, j'avais rien compris. Moi au début là, je croyais qu'il y avait une bagarre, je m'étais pris un verre ou une bouteille de Belvé dans la gueule. Et donc voilà, et donc du coup je vais vous montrer la vidéo du lustre du coup. Mais c'est pas le lustre entier qui est tombé, hein. C'est, en fait, je vais vous montrer comment il est, je l'ai filmé. En fait c'est un petit bout du lustre qui est tombé sur ma tête. Bref, comme si c'est la taille d'un verre un peu. Et voilà, du coup j'ai paniqué de ouf. Mais ça va plus de peur que de mal. Parce qu'en fait, moi, à l'époque, je me suis déjà ouvert la tête quand j'étais plus jeune. Sauf que c'était beaucoup plus profond. Et j'étais tombée dans les pommes, je voyais plus rien. Enfin bref, j'avais eu vraiment un gros choc. Et j'ai eu trop peur. Quand j'ai vu le sang sur ma tête, j'ai eu trop peur. J'ai repensé à quand j'étais plus jeune. Et je me suis dit, ah non, imagine, il m'arrive pareil, là, en plein bagatelle, pas bien, tomber par terre et tout. Mais vu que c'était pas profond, heureusement. Parce que je l'ai déjà vécu une fois et c'était pas drôle. J'étais tombée en roller, en arrière, sur un coin de table, comme ça, sur un coin de table, en bois, chez moi. Ouais, je faisais du roller dans la maison, n'importe quoi. Et en fait, je tombais en arrière et je m'étais pris le coin de la table dans la tête. Et là, je peux vous dire que c'était pas pareil. Donc voilà. Du coup, je vais vous montrer les vidéos et tout, mais c'est pour ça, hier, après, j'ai arrêté de la tête. Ça m'a saoulé, ça m'a un peu cassé l'ambiance, parce que j'étais trop énervée contre le mec, il était trop bourré, il faisait n'importe quoi avec son drapeau là, il faisait n'importe quoi, il m'a saoulé. Je vous mens pas, il m'a saoulé. D'ailleurs, vers la fin, il s'est fait têche du resto parce qu'il était trop rabat. Enfin bref, anyway, là je vais aller rejoindre les filles au mall. On va manger un bout là-bas. J'attends qu'elle me donne le go et puis voilà, ce soir je taffe. Aline, elle s'est rendormie. Je suis censée aller au mall avec elle. Et du coup, je l'ai attendue le plus que je pouvais, mais là, j'avais faim. Il est 16h30. J'ai essayé d'attendre pour qu'on aille manger, mais elle s'est encore endormie, là, je crois. Donc, tant pis, hein, je mange. Je me nourris. Ça me fait mal un peu. Le crâne là. C'est comme ça me taper un peu genre dans le crâne. J'ai quelque chose ou pas? Putain, j'ai failli tomber dans le gouffre.
C'était vraiment le gouffre. Hop là. Hier, on m'a pété le crâne. Aujourd'hui, il manquerait plus que sur la jambe. Taxi! Allez, bro! My bro! My friend! My friend!